La question de l'indépendance financière est très importante pour ceux qui veulent financer l'œuvre de Dieu et acquérir une liberté qui leur permette de faire véritablement ce que Dieu leur demande de faire. Vous êtes à l'émission Pendule à l'heure. Nous allons parler de l'indépendance financière dans les minutes qui suivent. Et j'ai avec moi des vétérans du ministère ACER. J'ai le pasteur Isaac. Pasteur, bonjour. Bonjour, apôtre. J'ai le pasteur Darius. Bonjour, apôtre. Bonjour. Et pour la première fois, nous avons le pasteur Gildas. Bonjour. Bonjour, apôtre. Et nous avons l'incontournable pasteur Gentil T. Jean King. Donc, on parle de l'indépendance financière depuis, ça fait déjà bientôt 6 épisodes. Hein? Six épisodes, on a parlé du chrétien et la prospérité. On a parlé du chrétien et des affaires. Et là, on va parler des principes du donner et du recevoir pour parvenir à la prospérité. Mais on va quand même voir l'importance d'être libre financièrement pour financer l'œuvre de Dieu. Et on va donner la parole au pasteur Isaac pour commencer peut-être à introduire, pasteur. Merci, apôtre, pour l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission Pendule à l'heure. Vraiment une émission qui nous bénit toujours. Amen. Là encore, amen. On a un thème assez particulier, extrêmement important dans le royaume. Donc, depuis là, c'est vrai, nous parlons de l'indépendance financière. Et dans les épisodes précédents, on a vu pas mal de choses. Et là, je pense que c'est vraiment très important d'être libre financièrement, sinon d'être dans l'abondance financière. Je pense que c'est à cela que Dieu nous appelle. La Bible va dire que Dieu n'a pas d'autres mains que nos mains. Je pense que c'est nous qui sommes des pierres précieuses qui bâtissent le royaume. Donc, une pierre précieuse, c'est une pierre glorieuse. C'est nous les chrétiens. Ça veut dire que Dieu veut qu'on soit riche et nous le sommes déjà, même de manière potentielle, naturellement. Donc, être libre financièrement va nous permettre effectivement de bâtir le royaume. La Bible va dire dans Matthieu 6, j'ai lu le verset biblique, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout sera donné par-dessus. Donc je pense que quand on est riche, Dieu veut qu'on cherche à bâtir d'abord le royaume. Donc être libre financièrement, c'est un peu tout ça, je pense, durant tout, durant les missions, on aura le temps de développer tous ces points-là. Oui, pasteur Darius. Bonjour, apôtre. Merci beaucoup pour l'opportunité encore une fois. On reste sur ce fauteuil-là. Allez-y. Merci beaucoup pour l'opportunité. Oui, je pense que ça, c'est un sujet très, très important, très utile. Et je pense que tout chrétien, j'ai envie de dire, qui se respecte, doit prendre le temps d'étudier le domaine ou bien le sujet. Parce qu'on a besoin de finances pour financer le royaume de Dieu. On a besoin vraiment d'investir pour que l'évangile soit répandu dans le monde entier. On sait que, par exemple, là où nous sommes, on a dû payer, on a dû acheter des choses. Donc, c'est des choses qu'on a besoin de finances pour pouvoir payer toutes c'était ces choses-là. C'est pas gratuit, c'est pas voilà, gratuit. Voilà, c'est pas gratuit. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous donner ça. Voilà. Donc, dans tous les cas, il va falloir que nous puissions financer l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse être puisse avancer de façon effective. Et surtout pour qu'on puisse aussi être respecté. Parce que j'ai remarqué également que lorsque nous faisons des choses de façon professionnelle, on donne beaucoup plus de crédit. En fait. Voilà. Et donc je pense que l'une des façons de donner du crédit à la parole de Dieu, c'est aussi d'élever les standards. C'est Et pour cela, on a besoin de finances. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Gildas. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que pour introduire, déjà, merci apôtre pour cette opportunité vraiment de passer dans cette très belle émission. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Agé, que Dieu reproche au peuple de ne pas s'occuper de sa maison. Dieu reproche au peuple de ne pas s'occuper de sa maison et il dit voilà, vous me frustrez parce que vous vous occupez chacun de sa maison pendant que ma maison tombe en ruine. Et c'est vrai que ça demande d'abord de la bonne volonté. Ça ne demande pas que des finances parce qu'il y a des gens qui ont des finances qui n'ont pas la bonne volonté. Mais il y en a aussi qui ont la bonne volonté mais qui n'ont pas les finances. Donc effectivement, pour tous ces frères, toutes ces sœurs-là qui ont la bonne volonté, il faut qu'ils aspirent à avoir davantage de finances pour effectivement s'occuper de la maison de Dieu. Il y aura toujours des choses à faire dans la maison de Dieu. Il y aura toujours des missions à financer. Il y aura toujours des plateaux télé à financer. Il y aura toujours, il faut le dire, des hommes et des femmes de Dieu à soutenir. Parce que ici, on dit les choses sans tabou. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des choses à financer et ça ne va pas se faire. Il y
n'y a pas un arbre ou un trou quelque part où on va, on prend de l'argent, hein, voilà, pour financer ça. Ce sont les hommes et les femmes qui participent. Vous savez, nous sommes des fois très d'une mauvaise pudeur sur ce genre de sujet. Mmh. Alors que lorsque vous allez, par exemple, la FIFA, que plusieurs connaissent, c'est une association qui est financée par les membres de cette association. On est d'accord. C'est ça, la FIFA, c'est une association qui est financée par les différentes fédérations, notamment la FFF, nous sommes en France, qui cotisent à la FIFA, et la FIFA est dans l'abondance. La FIFA est dans l'abondance. N'oublions jamais que ce n'est pas une entreprise, c'est une association. Donc, pourquoi est-ce que l'Église, qui a le même statut juridique, devrait être dans la disette? Non, nous devons financer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, dis donc. Merci, pasteur. On va partir, on va le laisser. Ok, bon, bah. Donc, tout à l'heure. Hein. Okay. Bon, il a tout dit. Hein. Non. Merci, apôtre, pour l'opportunité. Pasteur Grâce nous a fait le même coup la dernière fois. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a dit je vais pas beaucoup parler. Après, il dit je vais être graduel. Merci, apôtre, pour l'opportunité. En fait, la parole de Dieu va dire Dieu va dire tel il est, tel nous sommes. Yes. Et Dieu lui-même est indépendant financièrement parce qu'il va dire l'or et l'argent m'appartiennent. Donc le fait d'être indépendant financièrement, c'est simplement être à l'image de Dieu. Amen. Et on se rend compte que même Jésus, durant son ministère, était indépendant financièrement. Mm-hmm. Quand les disciples vont quitter Jésus, Jésus ne va pas dire « Revenez, qui va financer le royaume ?» Jésus a dit « Vous, il s'est tourné vers les douze, vous ne partez pas. » Ça veut dire qu'il ne dépendait pas de leurs finances. Yes. Financièrement, il était indépendant. Mm-hmm. Voilà ce que je peux dire pour introduire. Je vous écoute, on y va. Non, mais en fait, l'indépendance financière, comme nous sommes en train de le voir, va nous permettre d'authentifier notre amour pour Dieu et pour tout ce qu'on aime. Et c'est comme le pasteur Jules le disait, on peut avoir toute la volonté de vouloir aimer, mais si on n'a pas, en fait, notre amour, on sera même quelque part frustré au-dedans de nous. Parce que la Bible va dire, n'aimons pas seulement en parole, mais en action avec vérité. Donc, quand nous avons notre amour est authentifié, l'expression de notre amour est authentifié, nous le voyons avec nos parents, les gens qu'on aime, on vient de passer, bon, Noël, ainsi de suite. Quand on donne un cadeau, on est satisfait, on voit vraiment qu'on exprime profondément notre amour. On le voit, on a tous des parents, quand tu envoies un monogramme à ton cousin, à ton oncle, tu sens que ton amour est effectivement exprimé. Donc, je pense que nous ne pouvons pas réellement aimer si nous ne sommes pas libres financièrement, si nous ne sommes pas dans l'abondance. Quoi. Amen. J'aime bien Amen. Ce que le pasteur Jésus a dit tout à l'heure aussi par rapport au fait d'avoir les moyens d'exprimer en fait son amour. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de pouvoir exprimer leur amour parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait. Ah oui. Mais je pense aussi qu'il y en a qui se cachent derrière le fait qu'ils n'ont pas les moyens, alors que s'ils avaient les moyens, ils n'exprimeraient pas leur amour. En fait. Une fois que tu enseignais, tu disais en fait que l'argent va prendre en fait la couleur de notre caractère. Yes. Hein. Et c'est-à-dire que l'argent va mettre en évidence ce que nous avons vraiment dans notre cœur. J'ai envie de dire même que l'argent va plus travailler à ce qu'on puisse voir la vérité, voir la lumière sur qui est autour de nous, en fait, véritablement, et sur qui est hypocrite, qui est honnête, en fait, et qui marche dans la vérité. Parce que si on a suffisamment de finances, c'est là où on va voir quelles sont tes priorités. Où se trouve ton trésor, en fait. Et si c'est dans le Seigneur, bah, tu as financé le royaume. Donc c'est pour ça que les gens qui se disent que l'argent, c'est pas fait pour les chrétiens, ou que c'est une mauvaise chose, quelque part, ils se trompent, parce que l'argent va mettre en évidence l'amour que tu as. Va sponsoriser ton amour. Amen. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui dit, en fait, tant qu'on n'est pas, mais même toi tu le dis, tant qu'on n'est pas riche, on ne peut pas réellement comprendre l'adoration en profondeur. Dieu va exprimer à son peuple quand il va dire à son peuple en quittant l'Égypte de prendre l'or pour pouvoir l'adorer. Ça veut dire que Dieu savait que le peuple d'Israël ne pouvait pas correctement l'adorer sans avoir l'or. Parce qu'ils auraient d'autres problèmes qui allaient occuper leur tête. Et donc, du coup, il s'est dit, pour qu'ils m'adorent complètement, il faut qu'ils aient l'or. Ça veut dire que tant que financièrement on est limité, il y a des profondeurs dans l'adoration qu'on ne pourra pas expérimenter. Et même Paul qui était un
un profond adorateur va dire j'ai vécu dans l'abondance et j'ai vécu dans le manque. Donc en fait, il montre par là que l'abondance dans laquelle, par laquelle il a pu passer lui a permis de voir Dieu de façon différente. Donc il n'y a pas simplement le manque. Ce qu'il voulait aussi exprimer à l'église, c'est qu'il n'y a pas simplement le manque pour comprendre Dieu, mais l'abondance nous aide à comprendre mieux Dieu, comment il est, comment il pense. Parce que Dieu lui-même est riche. Donc ça veut dire qu'il n'est pas limité. Sa... Effectivement, pour comprendre sa mentalité, il faut déjà se mettre au même niveau que lui. Parce que très souvent, lorsqu'on discute avec quelqu'un, pour comprendre, c'est comme si aujourd'hui je parle à un enfant de 5 ans, j'essaie de lui parler avec mon langage, il ne comprendra pas. C'est pareil, lorsqu'on veut adorer Dieu ou parler à Dieu, pour que notre langage soit au standard de Dieu, il faut être dans le même standard que Dieu, même dans notre vie de tous les jours. C'est ça. Donc c'est important d'être riche pour arriver à correctement dire. Exactement. Je veux vraiment aborder les choses dans ce sens. Je pense que Dieu nous a engendrés pour qu'on évolue dans sa classe. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et Dieu, il est le roi des rois. Il y a un protocole. Une fois sur deux, tu utilises ce terme à l'émission. C'est ça, dans sa classe. Une fois sur deux, sa classe. Nous sommes dans la classe de Dieu. Nous sommes dans la classe en 6e A. Le 3e degré. En 3e degré. Je dirais encore mieux. Il nous a engendrés pour être dans le panthéon des dieux. Mais c'est ça. Donc, c'est comme il vient de le dire, on aura du mal à réellement collaborer avec Dieu si nous ne sommes pas riches comme lui. Parce qu'un roi a besoin d'un protocole. C'est comme les rois de ce monde. Tu ne peux pas avoir un roi comme ça. Il y a même des rois dans certains pays, je pense chez les Asiatiques. Tu ne peux pas aller voir un roi comme ça. Déjà, au portail, il y a des gars, la sécurité, qui vont vérifier le cadeau que tu apportes au roi. Si ton cadeau n'est pas dit de son standing, le roi ne te reçoit pas. On le voit déjà sur le plan un peu terrestre, mais avec Dieu, c'est la même chose. On le voit avec Donc, on ne peut pas réellement collaborer avec Dieu. Il a parlé d'adoration. Effectivement, on ne peut pas adorer Dieu comme il faut si nous ne sommes pas riches. Son idée, elle est quand même importante et j'aimerais vraiment qu'on insiste dessus parce que beaucoup de gens pensent que on comprend mieux le Seigneur lorsqu'on est pauvre, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que l'idée, c'est de réfléchir comme Dieu, comme le pasteur Gentil le disait, réfléchir au même niveau. Or, Dieu n'a pas de manque. Aujourd'hui, l'argent va pas forcer. L'idée d'avoir de l'argent, c'est pas pour dépenser, c'est l'idée d'être dans un état où on n'a pas de manque, en fait. Et l'argent va nous aider à être dans cet état où on n'a plus de manque. Et quand on n'a pas de manque, on se focalise sur l'essentiel. Et Dieu se focalise sur l'essentiel parce qu'il n'a pas la conscience du manque. Or, quand on est suffisamment riche, on n'a plus cette conscience du manque, en fait. Et on se focalise sur l'essentiel. Et à partir de là, c'est là où on voit vraiment quelle est la racine de nos désirs. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Or, une personne qui est pauvre va d'abord penser à son ventre, comment il va s'habiller, l'image qu'il va renvoyer à la société, aux besoins primaires. Alors qu'à partir du moment où on est riche, là, on commence à penser comme Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu pense, je ne sais pas, changer une ville ou bien changer une zone ou un pays, il ne va pas se dire, oui, mais il faudra acheter ceci, il faudra acheter cela. Lui, il regarde comment il va toucher les cœurs, quelles paroles il faudra leur donner. Or, pour que nous puissions arriver au même niveau que Dieu, à regarder comment diffuser la parole et comment, quelle parole il faut leur donner, il faut déjà qu'on ait élucidé tous ces problèmes de quelle salle on va louer, comment les gens seront habillés, comment on va payer les différents missionnaires qui vont y aller. Or, tant qu'on n'aura pas résolu ce genre de problème, on aura tendance en fait à diminuer les standards du Seigneur. Mais comment vous répondez à l'argument ouais, mais Dieu, s'il est riche, pourquoi il a encore besoin de notre argent? Pourquoi il a besoin encore qu'on puisse financer son œuvre puisqu'il est riche? Si je puis me permettre, il y a beaucoup de gens en fait, qui pensent comme vrai, ça. Et à tort. Bien sûr, apôtre. Comme on le disait en amont, si Dieu est riche, c'est pas ainsi. Dieu est riche, mais Dieu nous a placés dans un environnement qui a été corrompu. Cet environnement-là, un jour, j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais les gens. Ils ont du mal avec la loi de la semence et de la moisson. Ils veulent plus, ils ont plus confiance. Mais si tu comprends pas bien sa phrase, Dieu nous a placés dans un environnement qui a été corrompu. Sa phrase est correcte, même sur le plan doctrinal. Mais on peut comprendre ça à l'envers. C'est vrai. Comme si Dieu nous a mis dans l'endroit qui est corrompu. C'est vrai. Alors qu'elle est correctement conjuguée, Dieu nous a mis dans un endroit, mais cet endroit a été corrompu. Effectivement, merci beaucoup, apôtre, pour la précision. Merci beaucoup. Et donc, cet endroit, la terre, a été corrompue. Mais quand on regarde
regarde à l'origine, Dieu nous a placés dans un environnement où il n'y a pas, par exemple, de commerce. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué, en fait. Mmh. Le jardin d'Éden, il n'y a pas de commerce, à proprement parler. Il n'y a que semences, moissons. Mmh. Dieu, dans son business, ce qui permet de créer des richesses, c'est semer et moissonner. Amen. Sinon, depuis la création, il y aurait des boutiques, il y aurait eu des choses comme ça. Depuis la création du monde à l'origine, il avait mis ce système de semences et de moisson. Il y avait à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal un McDonald's. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il n'y avait pas de kebab. Non. Et donc, cet environnement qui a été corrompu, Dieu a besoin d'établir son église. Et dans cet environnement, ce ne sont que les hommes qui peuvent agir dedans. Donc, dans cet environnement, il faut que les hommes financent tout simplement la construction, l'avancement du plan de Dieu pour l'humanité. Et pourquoi il doit financer puisqu'il est riche? Justement, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Pourquoi lui-même il ne vient pas financer son truc? Parce qu'en fait, nous sommes dans Dieu et spirituel. Nous sommes dans un monde physique. Donc, l'idée, c'est que là où il est, lui, il est riche, mais sa richesse est dans le monde spirituel. Nous sommes dans un monde physique. Donc, l'idée, c'est que lui ne peut pas agir sur la terre sans notre autorisation. Donc, pour qu'il puisse avoir notre autorisation, il va falloir que nous puissions respecter les règles et les lois et les principes de ces terres. Donc, Dieu ne pourra pas venir avec son argent l'imposer ici, parce que l'argent, c'est l'argent qui fonctionne sur la terre et non pas au ciel. Donc il a besoin que nous puissions collaborer avec lui pour récupérer cette richesse et la ramener sur la terre. Et c'est là le gros problème, parce que ça passera par la semence et la moisson. Mais pourquoi un aussi grand Dieu, aussi puissant, aussi souverain, a choisi de se limiter par des hommes qui peuvent lui désobéir comme ça? C'est un acte d'amour. Il faut dire que... Non, c'est. Je pense c'est dans, il a choisi les choses comme ça dans sa souveraineté. Et puis, bon, peut-être pour continuer à répondre à la question que tu posais, la Bible, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils de l'homme, je dirais même encore à l'Église. Donc, il nous a donné des lois pour pouvoir fonctionner sur cette terre-là. Je pense que la richesse est sur la terre, c'est Dieu. Il sait qu'il y a l'or et tout ce qu'il y a. On le voit avec Adam et Ève. On voit bien qu'au jardin d'Éden, il y avait l'or et tout ça, des pierres précieuses. Je pense que pour jouir, pour développer toutes ces choses-là, il faut appliquer des lois. Je pense que on oublie souvent que la nature a une certaine intelligence. Que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que la nature va directement systématiquement nous obéir. On a besoin d'appliquer des lois pour que la nature nous obéisse. Je pense que d'où la loi de la semence, la moisson. C'est pour ça que Dieu veut nous impliquer. Enfin, c'est pour ça qu'il a mis ces lois-là sur la terre pour que nous manifestons, pour que nous, comment dire ça, nous reflétons réellement la richesse. C'est ça un peu, quoi. En fait, il y a ta question est vaste, parce qu'on pourrait y répondre de plusieurs façons. C'est sûr. Notamment, en fait, pourquoi Dieu va placer l'homme sur la terre au lieu lui-même de diriger la terre. Bon, quand le diable a été propulsé sur la terre, tu nous l'as plusieurs fois expliqué qu'il fallait quelqu'un qui allait infliger une correction au diable. Et Dieu a choisi que cette correction soit infligée par l'homme. Ça, c'est aussi une des raisons. Une autre des raisons, je pense que Dieu a semé ça aussi en nous, c'est la capacité de se retrouver en quelqu'un d'autre. C'est la capacité de se reproduire. Ça veut dire que Dieu lui-même, en se voyant, s'est dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'identique comme moi je suis et qui règne comme je règne dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il va créer l'homme et placer l'homme sur la terre dans un environnement propice et abondant afin que l'homme, depuis sa création, ait l'image de ce que le ciel est réellement. Donc c'est pour ça qu'il le place en Éden, mettant toutes choses à disposition pour que l'homme ait déjà à la base la mentalité d'abondance. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que si l'homme vient sur la terre avec la mentalité d'abondance, il est de sa responsabilité de perpétuer en fait cet héritage. L'homme ne peut pas se dire aujourd'hui, non, en fait, Dieu n'a qu'à s'enrichir au ciel et nous sur la terre, on fait ce qu'on veut. Non, Dieu t'a placé dans un cadre et ta responsabilité, c'est de perpétuer l'héritage que Dieu t'a donné. C'est pour ça que l'homme sur la terre a cette grande responsabilité. Et je pense que le chrétien, à partir du moment où il se rend compte de la responsabilité qu'est la sienne,
ne pourra plus jamais désirer être pauvre ou se dire que non, pour lui, parce que je suis humble, je dois être pauvre. Non, la mentalité de Dieu est que tu sois riche. Mmh. Et la Bible va dire que Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Amen. Comment quelqu'un qui est aussi riche, aussi puissant, va décider de se dépouiller de ce qui est de lui afin que nous puissions l'avoir? C'est parce que Christ, à aucun moment, ne voulait que l'homme soit démuni ici sur cette terre. Wow. Donc, je pense qu'il y a un renouvellement d'intelligence bien profond à faire pour pouvoir jouir de l'héritage qui est le nôtre. Et j'aimerais appuyer ce qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » En fait, le diable a été jeté sur la terre et Dieu nous a positionnés pour que nous puissions en fait triompher de lui. Parce qu'il le livre en spectacle au roi. Les rois, je pense que c'est nous, fils de Dieu. Donc, je pense qu'il est important vraiment que nous puissions comprendre que à la base, Dieu nous a positionnés sur cette terre pour une mission bien spécifique. Cette mission, c'est quoi? C'est de pouvoir livrer le diable en spectacle. C'est de pouvoir, en fait, infliger une belle correction pour appuyer ce que le pasteur Gentil disait par rapport à ce que tu nous as enseigné, apôtre. Donc, j'aimerais dire, en fait, qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu nous positionne sur la terre parce qu'il aimerait que nous puissions triompher, que nous puissions véritablement devenir sa gloire, manifester sa puissance sur cette terre. Et pour cela, j'aime vraiment l'idée de dire que ce n'est pas totalement une question de finance, c'est plutôt une question d'abondance. C'est-à-dire vivre dans la zone où le manque n'existe pas, en fait. Où nous pouvons faire tout ce que nous voulons, comme nous voulons, de la manière que nous voulons. C'est pour ça même le fait de parler de surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est le fait d'être au-dessus de ce qui est naturel, en fait. C'est-à-dire de dominer, en fait. Et c'est aussi le même terme lorsqu'on est dans l'abondance. On domine, en fait. C'est-à-dire qu'on règne. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions dominer, que nous puissions régner. Lui, il règne dans les cieux. Il nous a donné la terre, il a donné la terre aux hommes, pour que nous puissions régner ici également. Et pour cela, nous sommes en train d'être enseignés. Il nous enseigne, il nous montre comment dominer et comment régner. Et je pense que c'est important qu'on comprenne que c'est vraiment un appel que tout chrétien a de dominer dans tous les domaines, spirituellement, socialement et même émotionnellement. Amen. Et pour rajouter à ce qu'il dit, et même pour aller dans le sens de ce que le pasteur Gildas disait tout à l'heure, lorsque Caïn et Abel vont faire l'offrande à Dieu, si Dieu était contre le fait de recevoir ce qui vient de l'homme, Dieu aurait rejeté l'offrande de Caïn et Abel. Pourtant, Dieu va prendre l'offrande d'Abel. Donc, Dieu n'a rien contre l'offrande et contre le principe de la semence et la moisson. Dieu n'a aucun problème avec ça. Dieu a juste un problème avec l'intention. Je ne sais pas qui parlait de... C'est le pasteur Gildas qui parlait de l'intention. Dieu a juste un problème avec l'intention. Et c'est pour ça que Jésus va le souligner. Lorsque la pauvre veuve va venir semer, Dieu va dire, les autres ont donné de ce qu'ils ont en plus. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais si on a des mauvaises intentions, tu peux même donner pour la maison de Dieu, mais en réalité, tes intentions ne sont pas bonnes. Donc, quelles sont les intentions même pour semer? Est-ce que je finance réellement le royaume de Dieu pour qu'il avance? Ou est-ce que je suis simplement en train de donner pour impressionner les gens? Pour me faire voir. Et Pierre va même dire que lorsque vous êtes en assemblée, ne prenez pas ceux qui sont, je vais paraphraser, ceux qui sont d'apparence très riches ou dans l'opulence pour les mettre devant. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement les apparences. Je suis en train de donner pour qu'on voit que j'ai donné 1 000 euros. On voit que c'est moi qui ai donné 5 000 euros. On a fait un appel de don de 20 000. C'est moi qui ai donné 20 000. Et même, on a eu un cas comme ça à l'église. Quelqu'un qui est venu devant tout le monde dire, je donne 25 000. Et on n'a jamais vu la couleur de cette personne. On n'a jamais vu la couleur. La personne a été même l'un des plus grands détracteurs de notre ministère. Mais terrible. Terrible. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que où est-ce que tu sèmes, c'est pas forcément ce qui est physique, visible, c'est là où ton cœur se trouve. Dans ton cœur, tu sèmes où? Est-ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu ou bien tu es en train de semer dans l'image, dans ton image? Et beaucoup de personnes, en fait, sèment au mauvais endroit parce qu'ils veulent quelque chose d'autre en dehors de ce qu'ils disent vouloir faire. Et des fois, il y en a même qui ne savent même pas, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de semer dans leur foi. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, on va tester, on va voir si ça marche. Je donne, bon, j'y crois pas trop, mais on verra. Donc, quelque part, tu es en train de se mettre dans ton incrédulité, en fait. Tu n'es pas en train de se mettre. C'est-à-dire que c'est ton incrédulité qui est en train d'être mise en avant. Et or, lorsque tu sèmes en te disant, Seigneur,
je ne sais pas comment ça va se passer, mais je décide de te faire confiance. Et tu es dans la foi. Amen. Que celui qui donne en disant on verra bien, je ne sais pas comment, je ne pense même pas que ça peut fonctionner, mais j'ai donné mon argent, alors on va voir. Alors que ce n'est pas une question de finance, c'est une question de cœur. Je me rappelle quand vous parlez comme ça, là, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, vous connaissez tous l'histoire d'Ananias et Saphira. Et donc, eux ont mal semé et ils sont morts. Ils sont morts. Non, mais c'est vrai, hein, ils ont semé avec des mauvaises motivations. Tu fais peur quand tu as ça. Ils ont mal semé, ils sont morts. Ah. Et je me rappelle que dernièrement, quand l'apôtre nous exhortait, il nous disait, dans ce passage, on dit qu'ils ont donné tout leur bien et tout c'était dans l'opulence et ils ne manquaient de rien. Et on a toujours l'impression qu'ils ne manquent de rien parce qu'ils ont dit, bon, toi tu manques, bon, l'autre a donné plus, ainsi de suite. Alors que sûrement, ils ne manquaient de rien parce qu'ils ont mis en pratique les principes de semence et de moisson. Et qu'ils ont moissonné en abondance. Ils ont moissonné en abondance. Ils se sont retrouvés dans une position où ils ne manquaient plus de rien. Et c'est ça l'indépendance financière. L'indépendance financière nous permet de répondre, comme le dit le pasteur Darius, à tous nos besoins et d'y répondre également avec une certaine vitesse. Le Seigneur Jésus décède, paf, il est mort, tout ça, tout ça. Bon, il faut récupérer son corps. Ce n'est pas Pierre qui allait récupérer son corps. Ce n'est pas Jacques qui allait récupérer son corps, c'est quelqu'un qui pesait financièrement, qui a pu avoir une audience avec le gouverneur le jour même. Et quand le gouverneur lui a dit, mais tu veux son corps, tu vas le mettre où? Il dit, j'ai un tombeau. Il dit, j'ai un tombeau. Un tombeau neuf, s'il vous plaît, qui n'est pas loin de l'endroit où vous l'avez crucifié. Alléluia. C'est à cela que ça nous sert l'indépendance financière, à répondre aux besoins. Parce que, vous savez, il y a des besoins qui arrivent comme ça. Il y a des besoins qui arrivent comme ça. Il y a des opportunités de semences, comme nous l'enseigne souvent l'apôtre. Une opportunité de semences arrive. Si tu n'as pas cette indépendance financière, tu ne peux pas saisir cette opportunité. Et tu passes à côté d'une grâce. Pour revenir à l'église primitive, en fait, beaucoup de gens dans l'église, quand on les aide parce qu'ils sont indigents, ils ne comprennent pas que cette aide-là, en fait, c'est une semence qu'on leur donne pour qu'ils sortent de là. Moi, j'ai suivi une prédication d'un homme de Dieu qui a appelé quelqu'un de son église et qui lui a dit, tu as passé vraiment une année difficile, prends cette semence de, je pense, c'était entre 1000 et 5000 dollars. Il dit, prends cette semence pour pouvoir te relancer. Quand on te donne un truc comme ça, c'est pour t'apprendre le principe du donner et du recevoir. Les gens oublient que la prospérité ne se mesure pas dans le royaume de Dieu. La prospérité ne se mesure pas, elle ne se déclenche pas par ce qu'on a. Mais ça se déclenche et se mesure par ce qu'on donne, en fait. C'est ta capacité de donner qui détermine combien de fois tu es prospère. J'ai envie de dire, oh, combien tu es prospère. C'est ça, en fait. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que dans une telle situation, beaucoup pourraient penser qu'on nous donne de quoi avant. On nous donne de quoi, en fait, répondre à nos besoins parce que j'ai telle chose à payer, telle chose à payer. Or, lorsqu'on te donne à ce moment-là, on est en train de te dire, voilà, va semer. Fais une semence que tu n'as jamais faite pour espérer une récolte que tu n'as jamais eue. Voilà. Or, beaucoup de personnes vont comprendre les choses dans l'autre sens en disant la personne est en train de répondre à mes besoins. Ils vont dire merci Seigneur parce que tu réponds à mes besoins. Or, la volonté de Dieu, c'est de te mettre dans l'abondance. C'est que tu puisses donner. J'aime beaucoup un passage qui dit en fait que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il aille travailler pour que ce qu'il reçoit, qu'il puisse avoir de quoi donner, en fait. Parce que Dieu aimerait que nous puissions, j'aime beaucoup ce que tu as dit au début, que pasteur Gédas, que nous puissions apprendre que notre façon de nous enrichir, c'est en semant et en ayant des retours. C'est pas en allant travailler. Et beaucoup de gens m'ont critiqué par rapport à ça, mais la volonté parfaite de Dieu, c'est pas que nous soyons en train de travailler pour gagner de l'argent, mais c'est que nous puissions semer. En fait, celui qui travaille a une foi plus basse que celui qui sème pour gagner sa vie, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que... On comprend, mais vas-y, explique encore plus. Je vais expliquer. Sinon, ils vont tous s'asseoir chez eux, ils vont seulement se mettre. Ils vont seulement se mettre et dire non, ça va. Je vais expliquer. En fait, semer, ce n'est pas forcément donner à une personne. Semer, c'est le principe de l'investissement. C'est le principe d'investir et d'espérer. Bon, là, tu expliques mieux. Là, c'est mieux. C'est le principe d'investir. Il faut préciser, hein, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent ici. Un jour, on a enseigné sur le fait que Jésus dise que mon père, ma mère, ce sont ceux qui écoutent ma mère. Elle allait dire à sa mère, tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus ma mère. Tu n'es plus...
ça lui a causé des problèmes, ça nous a causé des problèmes. Non, il faut vraiment nuancer. Je vais expliquer. Donc, parce qu'en fait, c'est que c'est le principe de l'investissement. Le fait, par exemple, Dieu a investi Jésus, il a investi son fils, il a récolté plusieurs fils. Voilà. Donc, nous-mêmes également, nous devons apprendre à investir dans la maison de Dieu en espérant que Dieu puisse, en fait, avoir, nous donner le retour de notre investissement. On va plutôt parler comme ça. Donc, lorsque tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, dans le but d'avoir un retour. Et la volonté parfaite de Dieu, par exemple, quand on parle de la parabole des talents, on leur a donné plusieurs talents à chacun. Et l'idée, c'était qu'ils puissent investir ce que Dieu leur a confié, en fait. Donc, et ceux qui ont investi, Dieu les a félicités. Le maître les a félicités. Celui qui a refusé d'investir, Dieu a considéré que c'était un méchant serviteur, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis que nous devons vraiment comprendre que la volonté parfaite de Dieu, c'est le principe de la semence, c'est-à-dire de l'investissement. Et on attend un retour. Donc, on va travailler pour gagner de l'argent pour que nous puissions ensuite investir. D'accord. Voilà. Très bien. C'est plus clair. Effectivement. Bon. Je pense que personne ne veut se battre la parole. Nous parlons toujours de l'indépendance financière. Nous parlons de l'indépendance financière. Je vais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça, dire qu'être indépendant financièrement, c'est également ne pas dépendre, hein, c'est bien sûr le contraire, ne pas être attaché à ce que Dieu nous donne, se considérer comme des stewards de ce que nous avons dans les mains. C'est ce qui fait que quand Dieu nous demande de peut-être semer dans le royaume, on le fera. Et c'est vrai que le pasteur Gentil parlait de des gens qui donnent avec des mauvaises intentions. Parfois, ils veulent impressionner, ils veulent dire que j'ai donné tel montant. Et comme on le voit, ce n'est pas toujours le montant qui peut toujours impressionner Dieu. Parfois, c'est ce qui reste après, et la motivation ou comment on donne. Donc, l'indépendance financière, c'est également ça, c'est que ne pas être attaché à ce qu'on a. Et je pense que j'en parlais un peu behind the scene, comme on dit, avec le pasteur Gentil, dire qu'en matière de finances, je pense qu'on doit vraiment être dans son couloir avec le Saint-Esprit. Et c'est sûr, il y en a qui vont peut-être donner un montant, ils vont donner, d'autres ils vont s'organiser autrement. Par moi, je disais à l'apôtre, moi je veux donner exceptionnel, je veux donner différemment cette fois-ci dans cette campagne. Parce que j'ai ma relation avec le Saint-Esprit, je veux dire, c'est lui qui gère mes finances, c'est lui qui m'aide à planifier des choses pour investir dans le royaume. Si j'ai vraiment dit, ben, je veux donner différemment. Et quand vraiment j'étais dans le bureau au deuxième, il y a quelques jours, je priais vraiment du Saint-Esprit, comment tu veux que j'oriente mes finances. J'ai tellement d'opportunités, mais vraiment, il m'a donné une idée, j'ai noté, et quand j'ai commencé à donner comme ça, par rapport à ce qu'il m'a dit, mais j'ai aussitôt commencé à avoir le retour au centuple. C'est-à-dire, ce qu'il m'a dit de donner, même pas une semaine, j'ai eu le retour au centuple. Vous voyez, le royaume, c'est pas impressionné. Il faut avoir sa relation avec Dieu. Il faut, par rapport aux finances, il faut se considérer comme un steward des biens qu'on a dans les mains, être un gestionnaire, mais c'est Dieu qui est le propriétaire. Et effectivement, cette affaire d'impressionner, là, on voit beaucoup ça à l'église. Les gens font des choses, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils veulent impressionner les autres. Et ça fait que parfois, quand sont les promesses de dons, il y en a qui vont se lever, même moi, je donne 30 000 euros, moi, je... Mais à la fin, ils n'ont jamais donné. Et ça, c'est grâce à une malédiction, même quelque part. Je pense que c'est ça également l'indépendance. Je ne dépends pas de mes finances, je dépends de Dieu. Christ est ma vie. Et quand il me dit de donner, si peut-être une promesse, je n'ai pas, je veux parler avec Dieu. Comment je peux donner? Comment Dieu, ce qui est remarquable avec le Saint-Esprit, il nous répond dans les moindres, tous les aspects de notre vie. Il est capable de nous répondre. C'est vraiment, et même ce matin encore, pendant ce prix au bureau, je suis en train de rendre grâce à Dieu. Mais tiens, c'est vrai, parce que, bon, vraiment, pour encourager ceux qui regardent, on avait parlé de ça par rapport à la foi, ne pas souvent prendre dans l'épargne. Et c'est vraiment ce matin, je repensais à ça. Mais tiens, Jésus avait 200 deniers quand il fallait multiplier les pains. Il n'a pas pris ça, il a agi dans la foi. Et ce matin, je pensais vraiment, ah, c'est bien d'écouter le Saint-Esprit. Quand tu te donnes une orientation, il y a vraiment le succès. J'ai vraiment fait ça. Et moi et mon épouse, bon, on va aller. Je dis non, le Saint-Esprit m'a dit de faire comme ça. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'aurais pu dire non, mais bon, c'est comme le pasteur Isaac, il faut que je montre aux autres que je donne d'un coup. Non, c'est pas comme ça. On n'impressionne pas d'abord, on est avec le Saint-Esprit. Je pense que c'est ça vraiment la vie surnaturelle. J'aime bien
J'aime bien le verbe que tu as employé, c'est orienter. Je pense que l'indépendance financière, c'est arriver à parler aussi sur sa semence. C'est ça. Arriver à donner. On parlait tout à l'heure de Jésus qui a semé Jésus. Dieu qui a semé Jésus, Dieu le Père qui a semé Jésus. Jésus, c'est la parole, c'est la semence. Dieu va faire quelque chose de particulier avec sa semence. Il va parler sur sa semence. Il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, en fait, Dieu parle sur sa semence. C'est vrai. C'est-à-dire que pour être indépendant financièrement, il ne suffit pas simplement de semer. Je veux dire, je donne dans la corbeille. Quelle est l'instruction que je donne à ma semence? En fait, pour qu'il y ait un retour, il faut que mon instruction soit claire. Il faut que même la semence a des oreilles, en fait. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais comment Dieu va donner des instructions à l'or et l'argent sans que l'or et l'argent ne puissent l'écouter? Ça veut dire que même quand on sème, il faut donner l'instruction à notre semence, dire tu reviens dans tant de jours. Et ça, c'est même un autre niveau de foi. Je disais à l'apôtre la dernière fois que j'ai remarqué qu'il y a un certain montant, que lorsque j'appelle ce montant-là, il revient avec une certaine vitesse. Et l'apôtre me disait, si tu veux appeler un autre montant d'un autre niveau, il faut que tu continues à déclarer, parce que la première semence, c'est la parole. Ça veut donc dire qu'avant même la semence financière, j'aime bien ce que le pasteur Darius disait tout à l'heure, la semence c'est pas que l'argent, avant même la semence financière, la semence qui précède les finances, c'est la semence de la parole. Ça veut dire que lorsque j'ai ma semence, avant je dois d'abord parler sur ma semence pour qu'elle puisse entendre l'instruction que je lui donne. Ça veut dire que toi je te sème pour mes appartements, je te sème pour l'enfant, je te sème pour ceci. C'est exactement ce que Anne a fait. Amen. C'est-à-dire que Anne va dire à Dieu, en fait, si tu me donnes un enfant, je vais le semer. Et là, Dieu va répondre, parce que Dieu a entendu le son de la voix. C'est pas simplement une prière silencieuse, il a entendu ce qui est sorti de son cœur, et là, il a répondu à la voix de sa semence. Je pense vraiment que... Il a répondu à la voix de sa soupe. De sa semence. Tu n'as pas entendu, pas la semence. J'ai aussi entendu, j'ai dit. Ouais, mais on est habitué, c'est le jeudi. C'est que ce Congolais, je dis aussi. Faisons attention à ne pas virer du côté politique. Mais c'est vraiment pas le jeudi. Vous savez, on peut le dire et le redire, je suis toujours étonné de voir les chrétiens ne pas appliquer ce principe aussi simple. La semence, c'est d'abord la parole. C'est vrai. C'est d'abord la parole, et après, quand ça se concrétise, à partir de ce moment-là, on fait l'acte correspondant, en fait, pour grandir un peu plus dans la foi. C'est vraiment incroyable, parce que certaines personnes sont là et disent, non, mais qu'est-ce que je vais donner? Je n'ai rien du tout. Mais tu es en train de parler. C'est ça. Tu es en train de me parler. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. La parole, là, c'est quelque chose. C'est Il faut que tu plantes ça, en fait. Parce que les gens ne savent pas comment le planter. Mais c'est vrai qu'une fois, on avait parlé de ça dans une émission, l'important, ça fait de faire attention à nos paroles et à ce que nous disons, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, même des... Et c'est là, c'est ça qui est choquant, qui est dommage, parce que même des païens, des non-croyants pratiquent ces choses-là, ils ont des résultats. Oh, bien sûr. Parce que c'est pas une loi liée aux chrétiens. Comme je dis souvent, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est pour l'humanité, en fait. Donc, du coup, à partir du moment où on commence à se dire que non, je ne vais pas le faire, ou bien c'est les choses des chrétiens, on a complètement perdu l'orientation du message, en fait. Alors que c'est une loi spirituelle. Ce que tu donnes reviendra. Maintenant, tout dépend de la qualité de ce que tu as donné. Si tu sèmes une semence, même si elle correspond par exemple à la mangue, mais que ta semence est de mauvaise qualité, forcément tu auras un arbre de mauvaise qualité, en fait. Et je pense que c'est important qu'on puisse comprendre que, comme tu dis, apôtre, nos premières semences sont nos paroles. Il faut, si on donne de l'amour par nos paroles, on recevra de l'amour. Si on encourage les gens, on sera encouragé. Si on motive les gens, on sera motivé, en fait. Et ça aura de l'impact, en fait. Et par exemple, on peut le voir par exemple dans le sport, tout à l'heure, parce que Gilles parlait de la FIFA. Dans un match de foot, lorsqu'une équipe est en train de perdre, par exemple, et au vestiaire, l'entraîneur commence à motiver les gens, par ses paroles, il va semer la motivation. Par conséquent, les gars, ils vont être motivés, vont réussir à gagner le match qu'ils étaient en train de perdre. Et beaucoup ne se rendent pas compte de la puissance de la parole. Pourtant, même Dieu a créé le monde par la parole. On peut leur dire ça, c'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. En fait, certains pensent que quand on parle de la puissance de la parole, c'est abracadabra, voum, non, et puis ça apparaît, en fait, tu vois un peu. Vous savez, même quand la Bible dit, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand on lit ça, en fait, on a l'impression que ça s'est passé instantanément. Mais les scientifiques nous disent qu'il y a des millions d'années qui se sont produites avant que les choses ne se mettent en place, en fait. Parce qu'il y a des choses qui viennent avec leur temps, dans leur temps, et y compris pas que quand on libère des paroles, parfois il y a un temps. Vous savez, en anglais, on dit
seed time, mm-hmm. hein? Seed time, c'est-à-dire le temps de la semence, ok. Et il y a un homme de Dieu qui a décomposé ça. Il dit en fait que, en fait, en réalité, il faut lire ça différemment. Il faut lire ça seed and time. Vous comprenez? Il dit la loi de seed time and harvest. Il dit il faut lire ça différemment. Il faut lire ça la loi de seed time. And harvest. Tu vois? Et c'est le time là qui fait en sorte que les chrétiens ne réalisent pas la puissance de la parole. Parce que pendant ce temps-là, parfois ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parfois certains tuent ce qu'ils ont déjà dit. Et c'est là où le diable vient les attaquer, le diable vient mettre plein de trucs. Et quand ils échouent dans cette période de time là, ils disent ça ne marche pas. On m'a dit que les semences c'est la parole, machin. Et c'est là le problème. C'est que c'est des choses puissantes que moi j'ai vraiment, j'applique et je continue à appliquer. Je vois des portes s'ouvrir. Amen. La première fois que j'ai entendu ça. Bon, ok, allez. C'est pour ça, je pense, c'est dans l'épisode, tu vas me dire, je reviens encore sur la notion de royauté. Vas-y, je pense, hein, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être conscient que nous sommes des rois et des reines et que Dieu est le roi des rois. Amen. La Bible, là où il y a la parole du roi, il y a l'autorité, il y a la puissance. Amen. Je pense que tout est régulé, dirigé par la création. Nous répond en fonction de ce qu'on va dire. Wow. Je pense que si Dieu dit que comment on dit ça, nous sommes riches. Jésus s'est appauvri pour que nous soyons riches. Amen. Ça veut dire nous avons quelque chose dans nos gènes. Bien sûr. Nous avons ça et nos gènes se développent, s'expriment sous la base de nos paroles. Je pense qu'il faut qu'on parle d'une certaine façon. Je suis toujours marqué par le ministère de Jésus, la manière dont il a exprimé, manifesté cette mentalité de roi. À chaque fois, on voit qu'il était conscient qu'il était roi et qu'il était riche. Je pense que ça détermine la manière dont il va agir, son attirer, ainsi de suite. Je pense que les chrétiens doivent d'abord apprendre à parler d'une certaine façon. Il faut rééduquer le chrétien. Voilà, on veut d'abord voir pour dire qu'on est riche. Mais on est naturellement riche, on est naturellement roi. On doit commencer à parler comme ça. C'est pour ça, je ne sais pas si c'est le pasteur Gentil qui disait ça. Vous voyez, Jésus, après le Jourdain, la voix du Père va se faire entendre. Amen. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. On voit bien que la parole est importante. C'est ce que la création va entendre. C'est pas d'abord qu'on a... Il faut qu'on parle. On parle, c'est comme ça qu'il a pu... Quand il était question de payer les... Il va dire à Pierre, va regarder. Il parle, il y va. Il y aura forcément quelque chose. Voilà, il a quelque part, il y a plus de 10 000 personnes, parce que les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes dans les assemblées, sans compter les enfants. Il avait ça, il a entendu le Père dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Je pense qu'il parlait ce langage-là, que la nature va m'entendre, la création va m'entendre. Donc, face à quelque chose, il parle, il n'agit pas en fonction de ce qu'il a. Pour lui, il était conscient qu'il était riche, qu'il était roi. C'est comme ça qu'il multiplie les pains. Tout parle la parole. Hein. C'est exactement, pour continuer dans cette lancée, ce qui se passe lorsque Pierre et les autres sont en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, au même endroit au où même ils sont endroit. En train de pêcher. Remarquable. J'ai commencé en cherchant. Continue. Ils ont pêché toute la nuit au même endroit où ils ont pêché. Toute la nuit au même endroit. Et ils n'ont pas pêché de poissons. Mais qu'est-ce qui fait que les poissons, au même endroit, en fait, viennent lorsque Jésus dit jeter les filets? Pourtant, c'est le même endroit. C'est la semence de la parole. Jésus avait tellement l'habitude de semer la parole que le retour était maintenant rapide. C'est-à-dire que les disciples sont là et disent non, mais on n'y arrive pas. Ils parlaient langage contraire. Jésus dit non, vous allez y arriver là. Et comme il a l'habitude de semer la parole, tout de suite ça revient. Et la Bible va même dire que la création attend avec un ardent désir. Pas la créature, parce que la créature, la création, c'est différent. Si l'argent est une création, ça veut dire que l'argent aussi attend avec un ardent désir. Moi, je suis certain que des fois, même l'argent est là, il se dit mais il attend pour me donner des instructions. En fait, il doit me donner des instructions. Mais j'irai même plus loin, parce que quand on parle de création, souvent, ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de nous. Je suis convaincu que Jésus, c'était le type de personne. Si, par exemple, il avait été dans notre ère, il rentre dans l'ascenseur, ne fonctionne pas, il va parler à l'ascenseur, l'ascenseur va monter. C'est-à-dire qu'il va parler à tout ce qui a été créé, en fait, parce qu'il part du principe que tout ce qui a été créé a des oreilles pour entendre. Mais j'aimerais vraiment revenir sur ce que tu as dit, apôtre, parce que je pense que ça va être une clé pour beaucoup, parce qu'il y a
seed, time and harvest. Mm-hmm. Vraiment, la semence, le temps et la récolte. Mm-hmm. Et ce temps-là, mm-hmm. c'est là où beaucoup de personnes lâchent l'affaire. C'est vrai. C'est là où beaucoup de personnes perdent. Mm-hmm. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont semé, mm-hmm. sauf que comme ils ne voient rien sortir de la terre, ils se disent, non, mm-hmm. c'est foutu. Mm-hmm. Et ils décident de construire autre chose à ce même endroit, en fait. Mm-hmm. Et j'aimerais parler de... Il y a un type de bambou japonais. On dit que lorsqu'on le plante, en fait... Pendant 5 ans, il n'y a rien. Et au bout de 5 ans, il prend 30 mètres en 2 semaines. 30 mètres en 2 semaines. Je ne sais pas si vous imaginez que pendant 5 ans, il n'y a rien. Donc les gens peuvent se dire, non, mais ce que j'ai planté n'aura jamais poussé, il n'y a pas de résultat, etc. On pourrait même se dire, bon, bah, je vais planter autre chose au même endroit. Alors que 30 ans, 5 ans plus tard, la chose va pousser. Et souvent, on ne se rend pas compte du type de semences qu'on a semées. Parce que toutes les semences ne sont pas les mêmes. Et même, tout dépendra également des terres. Et comme le pasteur Gentil disait, aujourd'hui, il y a des semences qu'il fait, qui viennent rapidement, mais il y a un temps. Ou lorsqu'il faisait, ça ne venait pas aussi vite, en fait. Et sauf qu'à force de travailler et de se rendre compte quel type de terre, quel type de semence, de laquelle manière il faut le semer, ça va venir plus ou moins rapidement. Et c'est la raison pour laquelle, à la prochaine émission, on va parler de ce temps-là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce temps-là et comment certains ont détruit les semences qu'ils ont plantées, en fait. Parce qu'on est en train de vous dire, non, vous donnez, vous recevez. Et j'ai souvent entendu des gens dire, oui, mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais en fait, si tu dis que tu n'as rien, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que la première semence, c'est la parole. Et donc, en fait, quand on te dit de semer et que tu dis que tu n'as rien, la vérité, tu bloques la semence, en fait. Tu l'empêches de venir vers toi et se matérialiser physiquement. Parce que la première semence, c'est ça. Quand on te dit de donner, tu dois appeler la semence au lieu de dire « je n'ai rien, en fait. » Et on va vous montrer ça dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite maintenant à vous abonner à notre chaîne YouTube et à postez un commentaire, vous pouvez nous poser vos questions suite à cette émission. Vous pouvez aussi devenir partenaire avec la chaîne Évangile TV. C'est très simple, vous nous envoyez un message au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant et vous dites « je veux devenir partenaire, comment faire ?» Le seul numéro de téléphone qu'on utilise pour être partenaire avec vous, pour le moment, c'est le numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. Donc si d'autres numéros vous font des sollicitations, ce n'est certainement pas nous. OK? Donc, c'est le numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. En tout cas, j'étais avec des pasteurs de l'ACER. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt.